Salut tout le monde, c'est Alex Tutage des Légas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter une petite technique d'investissement, les gars. Donc c'est vrai que c'est assez tôt pour les investissements, mais bon, je voulais vous la présenter. Donc voilà, là vous voyez des petits joueurs que j'ai achetés. Donc ma liste est pleine de joueurs irlandais. Voilà, donc je les ai achetés à demi crédit. Là vous voyez un petit Garmstone. Ce sera, vous la connaissez sûrement déjà, ce sera la technique d'investissement pour l'Irlande, pour la Saint-Patrick, voilà, j'ai oublié le nom. Là, voilà, vous voyez mon club. Je vais mettre l'Irlandais dans le pays et vous allez voir un joueur que j'ai déjà acheté pour que vous ayez une idée des joueurs à acheter, ce que je vais vous conseiller, etc. Donc là, vous voyez, voilà, par exemple, McLean, je l'ai acheté à 950 crédits. Rappelez-vous des prix, les gars, je vais vous montrer comment ils ont évolué. Ensuite, un Wilson, j'ai acheté 1100 crédits. Voilà, McLean. Rappelez-vous, McLean 950 et Wilson 1100. Voilà, ensuite il y a aussi voilà, Garmstone 1200 crédits. Et là, je vais aller voir les prix tout simplement. Et on va voir qu'il. Voilà, Garmstone en premier. Je vais enlever les deux links par contre. Voilà, deux. Je vais mettre voilà, demi-crédit pour Garmstone. Vous allez voir qu'il n'y est pas. Voilà, les prix ont tout simplement augmenté déjà. Donc, je l'ai acheté à plus de 3 jours, Garmstone à 1200 crédits. Il est déjà augmenté de 1000 crédits, donc je vous conseille très fortement d'investir dessus. Ensuite, il y a McLean aussi. Voilà, McLean. Lui aussi, je pense qu'il est assez cher. Voilà, j'ai acheté 950 crédits, là, vous voyez. Qui est à 2500, à peu près. Donc, voilà. Vous avez une idée dessus. Voilà, moi, je me suis fait assez bénéfice déjà. Et bon, je pouvais investir plus, mais j'ai pris un peu tâche à revoir. Après, oui, je l'ai acheté à 1100 crédits. Il n'a pas trop augmenté, par contre, parce qu'il n'est pas très demandé. Voilà, il n'a pas trop augmenté. Donc, investissez dessus. Par contre, Wilson, il peut marcher en investissement. Voilà, je vais m'en acheter un tout de suite pour vous montrer que c'est pas du troll ou quelque chose comme ça. Même moi, j'avais 6. Voilà, vous voyez que j'ai acheté celui-là. Allez, achetez-toi. Ah, je pense qu'ils m'ont acheté avant moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais acheter celui-là, c'est pas grave. Allez, je vais le placer dans mon club. Dans la liste plutôt. Voilà, il y a ensuite d'autres joueurs. Là, ça sera une vidéo où je vais vous présenter les joueurs qui pourraient marcher le mieux. Donc voilà, les autres Irlandais que j'ai achetés, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà. Même les joueurs noirs, ils marchent très très bien. Vous voyez les joueurs sur lesquels j'ai investi, par exemple lui. C'est le seul défenseur droit. Voilà, il a 83 de vitesse. On va aller voir son prix tout de suite. J'ai acheté à 200 crédits. Donc il n'y a aucun risque dessus, autant investir dessus. Voilà, je vais taper Christy. Si je me trompe pas, c'est ça que c'est écrit comme ça. Voilà, 68 de général, c'est bien ça. Donc je vais mettre 4400 et il n'y est pas, les gars. Par exemple, moi je vais acheter celui-là tout de suite sans réfléchir. Et je vais le passer aussi. Donc j'achète de temps en temps des joueurs comme ça. Et ça marche du tonnerre, ça va marcher du tonnerre. Les autres années, ça marchait. Mais un petit conseil, les gars. Quand la Saint-Patrick va approcher, vendez vos joueurs bien avant. Parce que il y aura beaucoup de gens qui vont investir. Du coup, il faudra vendre les joueurs 2 ou 3 semaines avant. Pas 2 mois avant, mais bon, 2 ou 3 semaines avant. Histoire de les vendre au moment où ils auront atteint leur prix maximum. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve demain pour le 6e épisode du Road to Neymar. C'était Alex Tutage HD. Bye tout le monde.